Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager 4 façons différentes de mariner vos escalopes de poulet. Elles vous permettront pour ceux qui le souhaitent d'avoir des préparations à l'avance au congélateur. Niveau pratique, c'est vraiment top. Alors, je vais commencer par la marinade kebab. Dans un saladier, je mets 30 g d'huile d'olive, une cuillère à café de concentré de poivron. J'ai trouvé ça dans une épicerie turque et ça se trouve assez facilement. J'ajoute une cuillère à café de curry en poudre, une cuillère à café d'origan, une demi-cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel, environ une demi-cuillère à café de poivre. J'ajoute ensuite 2 gousses d'ail haché. Enfin, je mets une cuillère à soupe de yaourt nature. Et je mélange le tout. J'ajoute ensuite les morceaux de poulet. Je mélange bien comme il faut. Personnellement, j'utilise une machine sous vide pour me permettre d'avoir plusieurs préparations à l'avance en les conservant au congélateur. Je vais tout d'abord découper mes sachets à la taille souhaitée avec la fonction découpe. Je scelle un côté à l'aide de la fonction appropriée. Puis j'ajoute le poulet mariné dans le sachet. Si vous voulez l'utiliser directement, il suffit juste de laisser votre poulet mariner au moins 2 heures au réfrigérateur. Je scelle enfin l'autre extrémité de mon sachet. En ce qui concerne la cuisson de notre poulet, elle peut se faire à la poêle, au four ou au barbecue. Vous pouvez le servir en brochette avec une salade ou tout simplement en faire un sandwich. On va maintenant passer à la marinade façon orientale. Dans un saladier, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café d'harissa, je presse le jus d'un demi-citron, j'ajoute 1 demi-cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de paprika, j'ajoute 1 demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, je mets 2 gousses d'ail haché. J'ajoute 2 cuillères à soupe de persil haché. Enfin, j'ajoute un oignon haché. Je mélange la marinade. J'ajoute ensuite les morceaux de poulet coupés en morceaux. Et je mélange bien comme il faut. Encore une fois, je verse mes morceaux de poulet marinés dans un sachet pour les congeler pour une prochaine utilisation. Si vous ne souhaitez pas les congeler, il vous suffit de les laisser mariner au réfrigérateur. Je vais maintenant préparer la marinade à la sauce barbecue. C'est une de mes marinades préférées, surtout cuite au barbecue, c'est vraiment un délice. Dans un saladier, je verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à café de persil déshydraté, 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne, 1 cuillère à café de miel liquide,
une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de paprika. Je mélange le tout. J'ajoute les morceaux de poulet coupés en petits morceaux et je mélange bien. Je mets ensuite le poulet mariné dans le sachet pour ensuite le refermer. Je passe maintenant à la marinade à l'indienne. Dans un saladier, je verse 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute 2 cuillères à café d'épices spéciales tandoori. Je presse le jus d'un demi-citron. J'ajoute une gousse d'ail haché. Une cuillère à café de sel. J'ai oublié de le faire à ce moment, donc je l'ai fait à peine plus tard, mais ça ne change rien du tout. J'ajoute une cuillère à soupe de yaourt nature. Enfin, un oignon haché. Et je mélange le tout. J'ajoute les morceaux de poulet. Et je mélange bien pour bien incorporer. Enfin, je verse dans un sachet. Vous pouvez utiliser un sachet de congélation robuste si vous souhaitez congeler vos préparations et que vous n'avez pas de machine sous vide. Vous pouvez le servir dans un pain indien, en sandwich ou en brochette ou autre. Voilà, nos marinades sont prêtes. Pour ceux qui veulent les congeler, vous aurez juste à les sortir la veille au soir pour le lendemain et à les laisser décongeler au réfrigérateur. J'anticipe les futures questions sur ma machine sous vide. C'est de la marque Calmdo. C'est vraiment une machine à avoir chez soi car vous pouvez l'utiliser pour tout. Par exemple, conserver vos aliments secs pour éviter d'avoir des miettes ou avoir votre congélateur bien rangé. Ça permet également d'augmenter le temps de conservation de vos aliments car un aliment sous vide tient plus longtemps. Si vous voulez simplement sceller votre sachet, vous avez le mode scellement. Si vous souhaitez sceller sous vide, vous avez deux options. Le mode normal pour les produits que vous voulez bien aspirer comme des produits durs et le mode soft pour les produits que vous ne voulez pas trop brusquer, comme tout ce qui est pain, brioche. Vous pouvez également choisir le mode sec ou humide. Tout est expliqué en détail dans la notice fournie avec la machine. Enfin, vous avez deux autres modes. Le mode externe si vous voulez aspirer des choses avec ce tuyau fourni avec la machine, comme des boîtes ou autres. Et vous avez le mode nettoyage qui vous permet de nettoyer votre machine avec un peu d'eau. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresserait, je vous ai mis les liens en description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous aimez mes vidéos, laissez-moi un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo gourmande.